sorte tout. 7. Ya saba. La sociabilité. Mupenda watu. Mutu mwenye ko tayari kukuletea barafiki. Quelqu'un qui est prêt à t'apporter des amis. Un bon mari, c'est quelqu'un qui sait chercher les vrais amis. Mume mwema ni yule ajuaye kuwa na rafiki wema. Une bonne femme, c'est celle qui sait chercher les amis. Mke mwema ni yule ajuaye kuwa na rafiki wema. Un bon mari, c'est quelqu'un qui ne se querelle pas avec les gens. Mume mwema ni yule asiyefarakana na watu wote. Quelqu'un qui a sa famille. Mtu anayekuwa katika jamaa. Mais il a d'autres personnes en dehors de la famille qui viennent renforcer les liens familiaux. Lakini ana watu wa kutoka nje wanaokuja unga mkono ile kifungo cha jamaa. La Bible dit. Biblia inasema. Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Anayejipatia marafiki wengi hujiletea taabu. Anao kwa ajili ya siku yake ya shida. Mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. Lakini kuna rafiki aliye mzuri kuliko ndugu. Na kuna kwaka mtu ni rafiki ukimupata unasikia naye iko sawa alishakuwa wa mujama. Ndio. Quelqu'un dont tu peux trouver comme ami et tu sens comme s'il est devenu quelqu'un de la famille. Na ukipata mwanamke mpenda watu. Et si tu trouves une femme qui est sociable avec les gens. Unapata bwana mpenda watu. Tu trouves un mari sociable avec les gens. Neema umepewa. C'est la grâce qu'on t'a donnée. Amen, amen. C'est vrai. Ukwe uko na zeheka. Si en train de vieillir. Uko na mkazana wa kukulea. Tu as une belle fille qui va te garder. Yo, Seigneur. La fille. Dada Faida. Faida. Lui. Huyu. Il a des parents. Ana wazazi. Ce sont tes parents. Ni wazazi wako. Elle. Yeye. Elle a des parents. Ana wazazi pia. Ce sont tes parents. Ni wazazi wako. Mtu akiingia mujama. Si quelqu'un entre dans la famille. Inakuwa ni kuipatanisha. C'est pour les relier. Naifanye nguvu. Et qu'elle s'assoie fort. Nilishaona na watu bwana iko na kufukuza bakwabo banasema ukimfukuza na usitujonge yake. J'ai déjà vu les gens dont les maris te chassent et sa famille s'élève contre lui. Unakutana bakwabo mkwe yako ndio bako banakusemea. Et tu te rends compte que ce sont les Ulisha tumika mujama. Tu as déjà travaillé dans la famille. Que kiwango wabo bibi. Chez la femme. Wabo bwana. Chez l'homme. Bana kupenda meme kushinda bakwenu. Il t'aime plus que même ceux de ta famille. Na hiyo kwa sababu ya tabia uliona. Mais cela c'est à cause du caractère que tu as développé. Ah oui oui. Unaoa mwingine. Tu te maries à une autre. Uliko kupatanisha jama. Au lieu qu'elle puisse unifier la famille. Anaï détruire na ma elle vient détruire la famille avec les mensonges et la haine. Ah oui, danger. On a quoi naski abadé mais on a semé semé calé kabibiyako. Et tu vas écouter les belles sœurs qui disent ta femme là. Bengine mujama banasema. Les autres dans la famille disent. Kusa kudemai. Si tu touches une autre belle sœur. Il ne faut pas piétiner ici. Ni mwanamke anafika mujama. C'est une famille qui arrive dans la famille. Anai conquérir kwa matendo. Elle arrive à conquérir la famille par les actes. Anai miliki kwa matendo. Anai miliki. Kabisa. Elle arrive à conquérir la famille. Ah oui oui. Anajipendesha ye peke. Amen. Elle se fait accepter elle-même. C'est la personne qui se fait aimer et qui se fait haïr elle-même. Mwikale na mnayua. C'est vous tout en sachant. Quel ne peut pas élever un garçon comme ça jusqu'à ce moment. Qu'il puisse élever un homme comme celui-ci. Ase me joie mais tu m'as dit dollars quoi? Ulale uko na sirika na bali mukukomalisha bakamkupati. Que tu te fâches parce qu'il a envoyé seulement 10 dollars chez lui. Bali mukomalisha pour que bakufe njala na uko. Il l'a élevé pour qu'il meure de faim pendant que toi tu es là. Non non. Unasirika, tu te fâches. Bwana alituma kitu kwabo. Parce que le mari a envoyé quelque chose. Na walikupa mwanaume wa kukomala na licence. Et on t'a donné un monsieur qui a mûri avec sa licence. Balikuwa na msomesha wewe uko wapi? Quand il était en train de le faire étudier, toi tu étais où? Mtu anajikomalisha mwanaume na asipatie bakwabo 10 dollars. Quelqu'un fait élever un homme et que cet homme là ne lui donne pas un 10 dollars. Parce qu'il s'agit bakwabo fujo inaanza munyumba. Si il est sa famille, le bruit commence dans le foyer. Wewe unaoa mwanamke? Et Marie épouse une femme. Tu l'as 6 mois. Tu gardes pendant 6 mois. La même kumuliza. Et la famille même ne demande pas. Wenu ni habari gani? Là chez vous c'est comment? Est-ce que abenye walikupatia mwanamke na hawezi kufurahi baone sachet ya chumvi? Est-ce que c'est donc qui t'ont donné la femme là? Est-ce qu'ils ne peuvent pas aussi être contents s'ils trouvent que tu leur as envoyé même un petit sachet de sel? Donc on a quatre bibi
unamukata karema kwa mama yake na baba. Tu détaches la fille de sa famille. Que hawezi mimi kumwambia. Donc tu ne peux même pas. Kamata inguo mia mamako. Prends cet habit, envoie ça à maman. Yeye akipatia mama yake, mama yake hata furahi. Donc si tu crois que si donner ça à sa maman ne sera pas contente. Hein? Non. Apana. Ukipata bahati unapata e mari social. Si tu trouves une chance, tu trouves un mari social. Une femme sociale. Mwanamke anayezoeana na watu. Unapewa neema. Si a ila grâce. Mekuko wale watu wanakuwa sa vile ginzi ko frein. Donc il y a ces gens là qui sont comme des freins à main. Kuko déclaration minataka fanya. Il y a une déclaration que je vais bientôt faire. Musisikie mbaya. Ne m'interprétez pas. Naisema publiquement. Je le dis publiquement ici. Ninisha weshe ba musika tatu. J'ai déjà fait marier 3 filles. Niko naona mke mwenzetu pale. Je suis en train de voir Papa Jean Baba Openg nasimama kanisani. Papa de Joseph. Ba musika benye nilibapatia. Les filles que je vous ai données. Na bakwe baliniowea. Et les beaux fils qui se sont mariés. Haya nifikia kuregrete kwa nini nilipana musika wangu kwa bale ba garçon. Il ne m'est jamais arrivé de regretter pourquoi j'ai donné mes filles à ces garçons. Je ne l'ai jamais regretté. Si yawai kujuta hilo. Na sita iregrete. Et je ne le regretterai jamais. Ni bakwe bazuri. Ce sont des beaux. Na ni jamaa za mzuri. Et ce sont des bonnes familles. Na mwenye atakwambia kama sifurahi. Et celui qui te dirait que je ne suis pas content. Useme ni msema uongo. Il faut dire que c'est un Nabisema, je le déclare parce que j'ai déjà marié. Kusikia mtu akusema, qu'il y a quelqu'un qui va dire. Yeye anasema yeye kwenye alioea na kwenye alioesha biko aye. Hapana. Lui il est en train de nous dire ici, là où il a fait marier, c'est comment? Je suis content. Nafurahi. Et je ne l'ai jamais regretté dans ma vie. Nasi afikia kuijutia maishani. Quelqu'un ne vient pas te prendre. Pourquoi tu commences à passer la nuit en train de pourquoi je lui ai donné la fille? Apana. Non. Musiwe musika mujama. Ne prenez pas la fille dans la famille. Mufikishe. Que vous le faites arriver. Que vous commencez à vous demander. Pourquoi nous l'avons mariée cette fille? Juste à comportement. À cause de son comportement. Moi je ne l'ai jamais regretté. Mimi si jawai kuijutia hiyo. Kama unataka olewa. Si tu veux te marier. Na kuoa. Na, songe à ta famille et à l'autre famille. Wazia jamaa lako na jamaa la mwingine. Usiwaze. Faut pas penser. Nishafika. Que tu es déjà arrivé. Nishafika. Tu es déjà arrivé. Nishafika. Tu es déjà arrivé. Fini. Imekwisha. Moïse tu ni wangu mi peke. Oh Moïse. Pana. Non. Kuna watu pale. Il y a les gens là derrière Moïse. Ils sont là. Wako pale. Hata wangekuwa na mazaifu ya je. Même si pouvait avoir n'importe quelle faiblesse. Bali kuzalia Bwana. Ils ont enfanté pour toi et Marie. Usiowe. Faut pas que tu te maries. Unakuwa unajifurahisha na bibi. Ukwaza ulimtosha kumuti. Oublia comme si tu l'as. Naye anakwabo. Il a aussi chez elle. Kuna benye bali mkupatia. Yes, qui te l'ont donné. Benye nabo banaiwa. Ce qui savent aussi. Usika iko pale. Notre fille est là-bas. Amen. Tuinamishe vichwa vyetu. Inclinons nos têtes. Amen, amen. Les autres points, je les laisse. Point zingine na ziacha. Je les laisse. Na acha zingine. Pas que je n'en ai pas. Si kwamba sinazo. Mais je les laisse. Bali na ziacha.